Hello la team, j'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je viens vous montrer comment faire sécher les feuilles de romarin. Mais avant tout, parlons de son origine. Suivez attentivement. Le romarin, arbuste de 1 à 2 mètres très fourni qu'on trouve surtout dans les jardins. Le dessous des feuilles est blanc. Les fleurs se présentent en grappes axillaires avec des calices blancs. Les feuilles ont un arôme agréable. Nom scientifique, Rosmarinus officinalis. Nom espagnol, Romero. Partie utilisée, les feuilles et les fleurs. Cette plante aromatique est très utilisée en cuisine pour relever le goût des recettes salées ou sucrées. Les feuilles de romarin est utilisée pour préparer de la tisane et aussi elle est utilisée dans les soins capillaires, shampoing, huile et autres. Il existe plusieurs méthodes pour conserver cette herbe aromatique afin de l'utiliser toute l'année. Tout d'abord par congélation, par suspension, par séchage au four, par séchage au déshydrateur. Pour faire sécher mes feuilles de romarin, je vais utiliser une méthode plus pratique. Profiter de mon beau soleil d'Haïti, mais pas trop en abuser, car sous un soleil trop chaud, mes feuilles risquent de perdre toutes ses propriétés. C'est parti! Et voilà mes chers amis, mes feuilles de romarin seront bien conservées dans ce bocal en verre et je pourrai l'utiliser dans plusieurs recettes pendant plusieurs semaines. Mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et j'espère que vous aviez bien apprécié ma méthode de séchage. Si vous connaissez une autre méthode, vous pouvez l'écrire en commentaire. Soyez bénis, gros bisous, bye bye, à la prochaine!